Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 26 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le passé. Pour certains d'entre vous, il y a la nostalgie de. Cette carte, elle représente cette nostalgie du passé. Elle indique que ce passé pourrait soit refaire surface, soit vous empêcher de prendre votre envol et vous émanciper. On a l'impression que ce passé, vous pèse énormément, ne vous fait pas avancer, vous stagnez, vous faites du surplace parce que vous ne faites pas ce lâcher prise avec ce passé. Cette carte, elle vient vous dire que vous devez maintenant vous tourner vers l'avenir et vous projeter dans le futur. Il n'est pas bon, n'est-ce pas, de ressasser le passé. Le passé, vous ne pouvez plus rien y faire. Vous l'avez vécu. Il faut parfois accepter de laisser certaines choses derrière soi pour en construire de nouvelles. Et là, on vous demande de changer votre fusil d'épaule. On vous demande de faire un lâcher-prise. Alors, encore une fois, si vous ne faites pas ce lâcher-prise, vous restez dans cette thématique-là. Vous savez, vous devez tirer parti de vos expériences pour aller, essayer d'aller de l'avant et essayer d'aller plus loin dans la réalisation de vous-même, de ce que vous désirez. Cette carte, elle vous invite de vous engager vers votre avenir, sur du renouveau et tourner une bonne fois pour toute cette page, fermer cette porte pour pouvoir ouvrir d'autres horizons. Que ça soit au point de vue sentimental, professionnel, amical, Laissez le passé derrière vous. Vous ne pouvez plus rien y faire. Maintenant, c'est aller de l'avant. Ça sera salutaire pour vous. Vous ne vivrez plus les mêmes choses, évidemment. Si vos expériences vont faire que vous ne ferez plus les mêmes erreurs et vous ne vivrez plus les mêmes choses. Mais vous allez vivre les choses avec un certain recul de votre passé, de ce que vous avez appris. Donc, il y a des portes à fermer. Arrêtez de ressasser le passé, ça ne sert à rien. Et aller de l'avant, c'est vraiment important. Aller de l'avant. Parce que là, vous faites du surplace pour certains d'entre vous. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? Soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vibre dans cette carte pour vous. Vous seul savez ce que vous vivez, n'est-ce pas? Je termine avec la sagesse d'Oponopono. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Alors prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. C'est un beau message d'Oponopono, n'est-ce pas? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain
pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse. À demain.